Bonjour tout le monde, bienvenue à cette démonstration d'aérographe. Hello everybody, welcome to this airbrush demonstration. Alors, nous allons commencer par les étapes de base. We begin with the basic techniques. Alors, nous allons faire des exercices de base que tout le monde peut réaliser facilement à partir de photocopies. We start with exercise that everybody can do it with a copy. Alors, nous travaillons toujours ici pour cette démonstration avec un aérographe double action. We work always with double action. Alors, travailler avec un aérographe double action, c'est un aérographe qui permet de contrôler l'air et la peinture indépendamment. Hein? We work with a double action airbrush. We push down to control air, and we pull back to control paint. Donc, nous poussons la gâchette vers le bas pour contrôler l'air. Et ensuite, nous tirons vers l'arrière pour contrôler l'air. C'est la seule façon pour bien travailler les exercices que nous allons faire. This is the only techniques to make easy all the exercise. Alors, l'aérographe est composé d'une tête, d'un godet et d'une gâchette. Donc, an airbrush has always a needle with a head, with a cup and a trigger. Donc, ces trois, je dirais, éléments sont essentiels et nous devons bien, je dirais, contrôler ces trois éléments. La qualité de la tête, avec une tête toujours bien propre, la qualité du godet, avec toujours le bon mélange, peinture médium, et le bon mouvement sur la gâchette. Yes. With a head and a needle always very clean, with a cup with the best mix with painting and thinners, and the trigger, the movement of the trigger is essential to have a very high quality work. Donc, je ne vais pas vous le démonter, parce que sinon ça serait trop complexe et trop long pour vous le montrer. Nous allons rapidement maintenant passer aux exercices pour que vous puissiez voir les effets. This, we immediately work with paint, with the airbrush, to see the effect of the airbrush. Alors, first step, always try your airbrush with cleaner or water to control the perfect function movement of the airbrush. Toujours bien commencer avec du diluant ou de l'eau pour vérifier la bonne qualité de votre aérographe. Donc, ici, je mets de l'eau, simplement, et j'essaye mon aérographe. Voilà. Alors, cet accessoire, ici, c'est une marque, Spraz Out, c'est simplement pouvoir vider mon aérographe sans mettre de la peinture partout. Hein? This is an object here to clean and to, well, yes, to clean my hairbrush. Voilà. Donc, je n'ai pas de bulle dans le godet, ce qui veut dire que mon aérographe est bien monté.
Hein, I have no bubble in the handicap. Thus, the airbrush is correctly mounted. Maintenant, nous allons mettre la peinture et les diants pour faire le premier exercice. Yes. Pour l'exercice et pendant toute la démonstration, je vais utiliser qu'une seule peinture, une seule marque. Voilà. Donc je vais utiliser de la Tamiya, de l'acrylique Tamiya. On peut utiliser plein d'autres peintures, acrylique, aquarelle, peinture à l'huile, mais c'est plus facile pour les maquettes d'utiliser de l'acrylique. Ça sèche plus vite. For this demonstration, I always use during the demonstration acrylic paint. Why? Because this is always the same paint with the same medium, with the same thinners, and it's easier to work with the same component. Nous allons utiliser toujours les mêmes ingrédients et les mêmes peintures et les mêmes thinners pour toute la démonstration. Il y a le médium et la peinture qui est séparée, on voit bien. We have the pigment of paint and the medium who are separate. Nous allons mélanger. We mixed very well. Voilà. Now I used the thinner. For Tamiya, I used lacquer thinner of Tamiya. For each paint, I used the thinner of the same mark. Donc, pour les peintures Tamiya, j'utilise le thinner, le diluant Tamiya. Pour chaque marque, j'utilise toujours le thinner de la marque. C'est très important. Ça évite des problèmes. Voilà. Ici, j'ai mis le thinner. Et maintenant, je prends mon pinceau. Et je vais mettre la peinture. I use a pencil, a brush, sorry, I use a brush to mix thinner and paint. And I put first the thinner and after the paint. And it's better to begin a paint with more thinner than the paint with not enough thinner. C'est toujours mieux d'utiliser en premier le thinner dans l'aérographe et ensuite de pouvoir ajouter la peinture. Il vaut mieux une peinture trop diluée pour commencer qu'une peinture pas assez diluée. Ça évite de boucher l'aérographe par cette méthode. Hein. With this process, it's avoid to obstruct your airbrush. Voilà. On va voir ici, j'ai utilisé une couleur grise, peut-être un peu trop claire, on va voir, sinon je changerai de couleur. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai commencé par le gris clair. Donc en fait, nous allons faire les premiers exercices. Hein? We start with the first exercise. Yes, you have dots, lines and curves. Nous avons des points, des lignes et des courbes. Nous allons peindre sur les points. C'est la première étape, apprendre à viser. Donc, the first step is to paint with airbrush, hein, the dot, les points, the dots here.
The difficulty is to point it on the dot. Hein? La première difficulté, c'est de viser le point. Hein? We have no repère. On n'a pas de repère. Thus, this is the first sensation of the airbrush. We don't touch the support. Donc, nous n'avons pas de repère et nous ne touchons pas notre support. C'est la première difficulté à maîtriser. Donc, ici. Alors, pour commencer simplement, on peut se rapprocher. We can spray here, very near of the support, and after we can spray higher. Donc, au départ, on peut peindre plus près du support, et après, on peut surélever son aérographe pour apprendre à mieux viser. Plus vous allez vous rapprocher du support, plus vous devrez aller vite. Hein? When we work very close of the surface, you spray quickly. Si je réduis la pression, je peux vraiment travailler très près du support. I am almost again the support. Je peux travailler très près du support, presque contre, avec une pression réduite. Je vais montrer l'inverse, ce qui se passe si on travaille avec une pression trop importante près du support. Ici, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons trop de peinture et la peinture s'éclate sur le support. Hein? When we work very too close the support, we have too much pressure and the paint splashed on the paper. Plus il y a de la pression, plus il faut aller vite. Mais pour ce qui nous concerne, c'est pas utile. Hein? When we work too close the support with too pressure, hein? We are obliged to work very, very quickly. But it's not necessary for our exercise. Voilà. Donc la moyenne, c'est 1 bar 5. Hein? Donc we can work with between 1 and 1.5 bar of pression. Nous avons un modèle ici où nous allons utiliser une technique de pré-ombrage. We have a scale model here, and we use the first technique on the pre-shading on this wing. Donc, avant de faire la démonstration sur la maquette, je vais l'expliquer sur une photocopie. Before to spray on the scale model, I use a copy to make a test of the technique of pre-shading. The pre-shading, what is it? Pre-shading is to paint with a dark color on the line, on the engraved line of the kit. Nous allons donc peindre sur la gravure en creux du modèle réduit et nous allons après passer une peinture générale et ça va faire réapparaître légèrement les lignes de structure. With the pre-shading, we spray with a dark color on the engraved panels and after we spray with an overpaint color and the effect is a very interesting. We can't obtain a relief of the structure of the wing. Donc, nous allons effectivement utiliser le pré-ombrage pour faire apparaître les lignes de structure de l'avion. Donc,
we change the color because with a light color, we don't really see effect. Donc je vais changer les. Nous allons changer la couleur avec une couleur foncée. Alors, to change color, I spray to empty, to have an empty airbrush. Hein, the cup must be empty. Donc là, ici, je vide mon aérographe pour avoir le godet vide. I use water. I use a sheet of culinary paper to clean my cup. Donc j'utilise les papiers essuie-tout pour nettoyer. Voilà. I use water. Yep. Okay. I use again thinner. I put first in the cup the thinner. Voilà. J'utilise le gris foncé. Ça peut être du gris foncé ou du noir. For dark paint, I use black or dark gray color. Okay. I used thin colors. Donc, voilà, j'utilise la peinture diluée. Pour cet exercice de pré-ombrage, on peut vraiment diluer la couleur. Donc, aucun risque de boucher l'aérographe. L'essentiel, c'est de ombrer, ce n'est pas d'avoir un jet parfaitement lisse. Donc, here, the principle is to obtain a light dark gray line on the scale model, and this is not for a very smooth colors. Donc ce n'est pas vraiment pour avoir une couleur vraiment bien douce et bien je vais dire dégradée. Donc ici j'ai mis pas mal de diluant, voilà. Donc on fait un premier test ici, on regarde, voilà. Et on va faire le premier test sur les lignes. Donc here we spray on the line of the wing. Donc ici, je vaporise sur la ligne. This is a spray shading. The precision of the spray is not necessary. You can work very, very free. Voilà. Et donc, nous allons faire la même chose ici. Sur le modèle. We can spray directly on the model. Very quickly, it's very easy, no precision. Everybody can do it. Tout le monde peut le faire. No precision. I repeat, you can use
dark paint of black, dark gray. The goal is to obtain a very dark color on the structure. Donc on peut utiliser ici de la peinture gris foncé ou du noir. L'essentiel, c'est le but, c'est vraiment de foncer donc les lignes de structure de façon très très simple. La précision n'est pas du tout requise. C'est pour ça que n'importe qui peut faire cette technique. Voilà. Donc dans un premier temps, we change the color. Nous allons changer la couleur. I use a brush to clean my cup. Donc voilà, j'utilise toujours le pinceau pour nettoyer mon godet. Je vide mon godet. Je vide le contenu de l'aérographe. Voilà. OK. My cup is clean. OK. Light gray. OK. Ici, donc, j'utilise le light gray, toujours de Tamiya. Donc, quand vous faites une maquette, de préférence, toujours utiliser la même marque. Hein? For a scan model, I use always the same paint of this model. Donc, I begin with Tamiya. I achieve with Tamiya. Je commence avec Tamiya, je termine avec Tamiya. Vous pouvez utiliser d'autres marques, mais alors vous continuez avec les autres marques. Life Color, MIG, etc. Mais toujours continuer dans une même marque. Always continue and to use the same trademark. Always. Avoid to mix different painting of different marks. Éviter les mélanges. Some paint are not compatible. Certaines peintures ne sont pas compatibles. Donc voilà. It's a way to obstruct your airbrush. Ça évite d'obstruer votre aérographe. We test the mix of paint always on a sheet of paper. Donc j'essaie toujours mon aérographe sur un morceau de papier. Voilà. No problem. And now, I spray on the wing. I overspray. Donc c'est vraiment très facile. On peint vraiment un jet uniforme sur l'aile. Donc. When I spray always in the same directions on the fly. Donc quand je peins, j'essaie toujours de peindre dans le sens du vol. Pourquoi? Pour avoir, je dirais, un sens de peinture qui soit, je dirais, logique avec l'effet qu'on veut donner, qui a en fait un effet d'usure et de temps. Donc, to obtain a very special effect of flying, of weathering of the paint, I overspray always in the directions of the fly. Yes. This is a bit transparency layer. Donc, c'est vraiment une couche, a layer. Vraiment légèrement transparente qui permet de faire apparaître encore, je dirais, le pré-ombrage. Donc, this is a layer very thin colors, not 100% of colors, but between 50 and 70% of colors. And by transparency, you can see the effect of the pre-shading. Donc, ici, je peins environ à 50, voire 70% de l'opacité de la peinture que j'ai mise pour quand même voir en dessous l'effet du pré-ombrage. OK? Donc ça,
je vais le faire ici encore sur cette partie-ci. Et après, on va faire juste l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire d'abord peindre avec la peinture gris moyen, et je vais venir après faire le post-ombrage. Hein? After these techniques, I use the principle of the post-shading. The post-shading is the same techniques than the pre-shading, but I use the dark color after the overpaint. Donc voilà. La seule différence, c'est que avec le post-ombrage, le travail de l'ombrage va être beaucoup plus précis, parce que vous avez beaucoup moins, je dirais, de liberté, de précision. Ça doit être précis parce que la peinture que vous allez mettre sera visible. Hein? With the post-shading, you work with a very high precision, because you have no marge to have a very free hand painting. Donc on n'a pas vraiment beaucoup de liberté pour travailler à main libre avec le post shading, le post ombrage, on va dire, voilà, exactement. Donc ici, je vais travailler. Voilà, donc ici on a peint uniformément l'aile droite, hein, et ici on va avoir la comparaison avec le pre-shading, le pré-ombrage de l'aile gauche. Hein. And this, we have the right wing with the overpaint colors, and here on the left wing we have the pre-shading effect. I change the color with the dark color. Pour changer, je vais prendre du noir. Hein, to change the colors, I try with dark. For the post shading, I tint my paint with a minimum 50%. Avec le post ombrage, je dilue ma peinture au moins à 50%. Donc c'est relativement bien dilué. Je fais un essai sur papier. I do a test on the paper. Very important. When we use a fixed cup, you cannot change the orientations of the cup, it's fixed to the airbrush. Always to use airbrush not vertically, but 55 degrees, à peu près à 45 degrés, toujours incliner son aérographe. Voilà. Sometimes we forget the cup, and it's very dangerous because the paint can go out the cup. Donc ici, il faut faire attention parce que parfois on oublie qu'on travaille avec un godet fixe et on peut incliner et la peinture pas passer au-dessus. Donc voilà. Maintenant, c'est du noir dilué. Je le fais avec du noir pour montrer qu'on peut utiliser d'autres couleurs plus foncées. Ça peut être du gris, ça peut être du noir. Hein? La peinture est très diluée pour avoir un jet très doux. Hein? I thin very well my paint to obtain a very smooth spray. C'est très important because this is the final spray on your model. Hein? Donc ici, on utilise vraiment un jet très très doux. C'est pour ça qu'il doit être bien dilué, pour ne pas avoir des petits points, parce que c'est quasiment le jet final que vous allez mettre sur la maquette. Donc ici, le jet, c'est parfait.
Et on va progressivement. Hein, hein, always in progress, pray. It's very thin, and you, the first spray, you see not very well the first spray. It's normal. Always process step by step, not in one time. Pas une fois, vraiment, allez-y, étape par étape. Yes, voilà. In three times, you have the first effect. OK. En trois fois. Voilà. Ici, il faut déjà bien maîtriser son agrafe. Hein. Hein, this is a technique for not for the beginners. Hein. Voilà. Donc, ne faites pas plus au départ. Faites l'ensemble et après, vous pouvez corriger. Hein. In three times, and you continue your effect of the rest of the wing. And after, you can correct, you can change the effect. Voilà. On vient vraiment. Donc c'est très dilué, donc on n'a pas du noir. Hein. C'est de la peinture noire que j'ai utilisée, mais l'effet est gris. Okay. The black paint is very thin. Just you spray a gray color and not a black color. And you work always step by step. On travaille toujours étape par étape. Voilà. Ici, il faut être plus précis. More accurate painting. If you spray too much when you paint the post shading, it's not a problem. Huh? No panic. You use overspray a new layer of light colors on your post shading. Donc, si vous avez peint de trop la couleur sombre, hein, donc avec le post ombrage, pas de panique. Il suffit simplement de repeindre au-dessus une nouvelle couche de gris clair. Hein, donc, et alors, après, vous reprenez le travail. Donc, il n'y a rien de compliqué, c'est jamais perdu. Idem here, for the left wing. When your effect is not very correct, no panic. You can always use the post shading to obtain a best effect. Hein? Donc, si le travail de l'aile gauche n'est pas satisfaisant dans un premier temps, pas de panique, vous pouvez venir avec le post-ombrage. Donc, voilà. OK? Donc, ici, on voit bien les deux aspects du pré-ombrage et du post-ombrage. Donc ici, pour montrer, je ne sais pas si on le voit bien, la différence. Donc l'un est plus marqué que l'autre, mais pas de panique. Donc ici, on peut venir avec une nouvelle couche. Mais vous voyez ici, par rapport à là, le travail, donc voilà, le travail est plus précis. Parce que là, je dois vraiment suivre, je ne peux pas me permettre un travail grossier. Alors là, je peux me le permettre puisque la peinture, la couche gris clair que je mets au-dessus va masquer une grande partie des défauts, hein, ce qu'on a moins ici. Okay? Mais ça permet de travailler aussi certains détails qu'on ne sait pas travailler avec le post et le pré-ombrage. Hein? Here we have a very fine work with the post shading. Then here on the left wing with the pre-shading. Ici, on a vu donc le post et le pré-ombrage qui est un complément de l'exercice ici. Hein. Donc, this is the pre and the post shading. This is a following of this exercise. Petite chose, pour les grandes surfaces, ici, personne ne m'a posé la question, mais je l'anticipe. Sur une maquette en plastique, avec l'acrylique, on peut peindre directement sur le plastique.
Si vous devez travailler votre peinture assez bien, donc après pour d'autres effets, vous pouvez utiliser d'abord un primer. Hein, idéalement, on devrait toujours mettre un primer. Idéalement. Mais pour les maquettes, ce n'est pas obligatoire. Si on fait une peinture propre et qu'on ne va pas trop travailler sur la peinture, on n'est pas obligé de mettre un primer. Le primer, ça permet, c'est une couche de peinture qui permet de bien faire adhérer votre peinture et la maquette plastique. Donc, a primer, hein, here, voilà, hein, a primer spray. It's not necessary, on a plastic model, but it's better to use a primer. A primer between your paint and your plastic, it's a layer who can attach your layer of paint and the plastic. It's always better to use primer, but it's not always necessary when you spray one color rapidly on your plastic. It's not necessary a primer, but when you want to give more effect on your paint, you use a primer. Okay, and I use always a primer in spray, not with airbrush. It's possible to make a first layer of primer with an airbrush, but with a spray, it's very easy, it's very quick, and it's always a better solution to work on a skin model. Donc, c'est pas nécessaire d'utiliser toujours l'aérographe pour mettre un primer, on peut le faire. Moi, avec une bombe de primer, ici Tamiya, qui est pour moi une des meilleures peintures en primer, ici, le fine, very. Il existe le primer normal et ici le fine. Hein. C'est très important d'utiliser un bon primer. Et avec une bombe, vous travaillez rapidement, efficacement, et là, c'est vraiment. Je dirais une bonne solution plutôt que l'aérographe. L'aérographe, vous allez en mettre beaucoup et ça va prendre du temps. Ici, en quelques secondes, vous allez pulvériser votre maquette et le travail sera impeccable. Voilà. Donc, on a ici les premiers effets. On va faire les masques. Alors, qu'est-ce que j'entends par masque? Eh bien, c'est du tape, voilà, c'est un ruban adhésif, il en existe de différentes couleurs, voilà, et en fait, pourquoi des couleurs différentes dans les mêmes marques? C'est parce que la qualité d'adhésion est différente. Hein? The next step is the process of the tape. The tape is a adhesive paper, and we have different colors of adhesive paper. Each color have a specific power of adhesive. Et donc, here, pink colors is light adhesive. Ici, blue, it's more adhesive. That's in the same. Here, in the other mark, we have two different colors in the same principle, two different power of adhesive. Voilà. Alors, pour la maquette, on va prendre ici, on va prendre l'adhésif clair, parce que j'ai déjà peint et il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de vernis, donc je vais prendre un adhésif clair. I use the pink tape adhésif, and because here we have a paint without a clear layer,
this to avoid to destroy my colors, I use a light adhesive paper here, light, very light, but it's enough to paint. Here, okay. Alors, pour peindre, je dirais, des lignes, vous avez compris qu'il suffit simplement de juxtaposer deux rubans. On va le faire ici, on va le mettre en bout d'aile, comme ça c'est plus facile, voilà. Hop. Donc voilà. Here, for this exercise, I use two tape to make the mask here. Orange, this is dark sea gray, no, light gray, here, light blue, here, in light blue. Ici, je vais utiliser du bleu clair pour faire. Oui, voilà. Ici, voilà. J'utilise le bleu clair pour pouvoir trancher avec. Toujours essayer de peindre pas contre la ligne, donc contre le bord du tape, mais dans le sens de la ligne du tape. Always paint, always spray your color in the same directions of the border of your tape. Donc, comme ça. C'est pas compliqué, donc les exercices qu'on a fait précédemment conviennent bien ici. Donc voilà. Ok. Alors, on va enlever et on va tout de suite voir. Voilà. Donc on voit bien l'effet ici. Donc on a une ligne bien nette. Parce que le tape est bien net. Maintenant, si vous utilisez le tape, on va faire un essai. Je plie mon ruban légèrement ici, comme ça. En fait, ce que je voudrais, c'est créer une épaisseur. Ouais, je vais, voilà. On voit bien l'épaisseur que je crée ici, le long de mon ruban. Donc, et cette épaisseur-là va me permettre. Si je le mets, on va mettre ici. Voilà. Je vais mettre l'autre ruban. On va prendre le ruban plus grand. Et vous allez voir. Ici. On prend ici, voilà. Donc, on a un ruban ici qui est net. Et l'autre qui a été plié en partie. Pour avoir une épaisseur. Now, with the tape, we have two different use of the tape. Here, the classic used with the normal tape. And here, I have fold my place, my tape, to have here a thickness here, a thickness. And we spray, and you always immediately see the difference of quality of spray. Yeah. Nous allons maintenant vaporiser, et vous allez voir. Voilà, il faut pas plus. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'on a comme effet? C'est que là où le tape était bien collé sur l'aile, on a une ligne nette. Et là où le tape a été plié, on a une ligne diffuse.
The effect is easy to see. Here we have a very net effect with a line. And here we have a smooth spray. And we see the difference of tape. Donc ici, on voit la différence des deux masquages. Alors, on peut faire la même chose avec du papier. Donc ici, c'était du tape. Donc en fait ici, on va faire la même chose qu'avec le tape, mais on va faire avec le papier. Donc, vous allez comprendre pourquoi j'utilise du papier. Le tape, c'est bien pour des lignes, hein, pour des voilà, hein, the adhesive tape is very easy to use, for the line, but for the curves, it's another thing. I use paper, I use a cutter, and I cut here. Voilà, et I do forms, voilà, with my paper, and I apply this form on the wing, voilà. Ici, voilà, j'ai appliqué ma forme sur le modèle. And I spray again on the border of the sheet of paper and the model. I turn my model and I spray again. And you see the shape of the paint. Et vous voyez ici l'ombre, ou en tout cas la forme de mon jet de peinture avec la partie qui a été masquée. Eh bien, c'est le principe du camouflage quand vous faites des avions. Et donc, en fait, vous pouvez utiliser, par exemple, voilà. Si vous prenez un avion, imaginons votre plan de montage, vous avez le dessin du camouflage sur le plan de montage, vous faites une photocopie ou vous scannez et vous imprimez, et ensuite il suffit simplement de découper les zones de camouflage et de le reporter sur votre modèle. Donc voilà, donc il faut évidemment que le print soit à la même échelle que votre modèle. Donc ça, c'est une façon rapide de faire des masques. Et vous pouvez faire la même chose. Si vous n'avez pas un schéma très précis, vous faites la même chose avec le tape. When you use sheet of paper to make your camouflage schema, you cut your copy with a cutter on the copy of your of the drawing, and you transfer your sheet of paper directly on your model, and you have the correct shape of the camouflage. You can use tape, and you make the form of the camouflage with freehand cutting. Donc en fait, vous pouvez utiliser, voilà. Donc j'ai utilisé ceci, voilà. Et vous coupez en fait
Voilà. On va dire. Voilà. Et voilà. Pour. Voilà. This. You see the shape, la forme ici, hein, of your tape, and you cut and you put directly on the wing. Voilà. And you do the same thing. Voilà. I turn. When you paint with a tape of a sheet of paper, you always spray not to the border of your tape of the or the sheet of paper, but always to the opposite and other side of the. Of the form. Donc, toujours peindre à partir, de, je dirais, du tape vers la maquette et pas de la maquette vers le tape pour éviter un overlap painting, c'est-à-dire que la peinture vienne en dessous de votre tape ou de votre masque que vous avez découpé en papier. Donc, ici, voilà. Et on tourne ici, vous faites la même chose, voilà. Et voilà. Et donc, en fait, avec ce système-là, vous pouvez faire quasiment tous les camouflages. OK. Maintenant, ça c'était avec les masques. On va passer à une étape et on va terminer avec ça. On va passer à une étape, je dirais, de peinture à main libre. Donc, with a freehand working with airbrush, c'est la meilleure façon, je dirais, et la façon la plus agréable de travailler. Hein. This is the best way to work with airbrush, to work with freehand airbrush. Donc, en fait, on travaille vraiment à main levée et on peut, à ce moment-là, faire tous les effets qu'on veut. Hein? Ici, par exemple, on a le camouflage. Tout ça, c'est fait sans masque, simplement en travaillant à main levée. On fait d'abord les lignes de séparation et puis après, on vient remplir à l'aérographe les espaces. Mais ici, on peut travailler les effets d'une voiture brûlée. Ici, en travaillant tout à fait à main libre, with the burned car. You can see I have worked with freehand working. Donc, je travaille vraiment à main levée. Et this is the best. It's very fun to work with a freehand hairbrush. We can do all effect with freehand hairbrush. And you will see after the demonstrations, I have a model with a tail who is paint with a freehand technique and the two tiger drawings are made with this freehand technique and this is an no limit to obtain effect with a freehand working. Huh? Alors, juste une petite chose, et on revient au début. When you work very, very close, you start always with a line here, and after. Yeah. Voilà. This is the principle of freehand technique. Voilà. And
This is the same things here. On va faire ici. This is. Est-ce qu'on voit? Parce que c'est un peu ton sur ton. Voilà. Donc en fait, le principe, on délimite la zone qu'on doit peindre. S'il faut, je vais prendre une peinture plus foncée parce que c'est pas évident de le faire avec du gris clair. Voilà. And this is the same things with this tank. This I do here. The outlines paint and after you spray between the lines. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais il faut s'exercer. It's not very difficult to use airbrush, but you must always work, always make exercise and to paint a lot of models. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, thank you for your attention. Oui, aussi, oui, comme ça. Ce qu'il y a là-bas sous la caméra. Oui, tout à fait, comme ça on voit. This is, voilà, an example of different techniques of mask tape. Here, this is the for the cocard. I have used the tape here, adhesive tape, and for the camouflage. This is the technique of the paper here. First, I spray the light colors here, green, light green, and after I put my paper, my sheet of paper here, and I spray the dark green colors. Voilà, it's very easy. It's very it's very easy to try to paint. C'est utilisé. Vraiment, les deux principes de masquage avec le tape pour les cocardes et les morceaux de papier pour le camouflage des deux tons en vert. D'abord le vert clair sur tout l'avion et après je viens masquer le vert clair et je peins avec le vert foncé sur ce principe-là. Je tiens comme ça, tout simplement. Il ne faut pas plus. Voilà. Et ça va très vite. Ou c'est plutôt le même, mais est peint à deux années différentes. Et j'ai voulu en fait représenter les deux décorations sur le même avion. Normalement, on a le tigre, je dirais, du Bengale et les tigres de Sibérie sur deux avions différents. Ici, je l'ai fait sur le même avion. Voilà. Et donc, c'est fait à main levée. Et tout à la peinture Tamiya. Donc, encore une fois, toujours la même peinture et le lacquer thinner de Tamiya. Non, attends, on va tourner dans l'autre sens. Voilà, hop, non, on va le tourner dans l'autre sens. En fait, ici, j'ai commencé d'abord par le gris clair pour délimiter, je dirais, les yeux, la bouche, vraiment comme un crayonné de base. Et après, je suis venu avec le jaune. Et après, le rouge. Et après, le gris, puis le noir. Et quand ce n'était pas juste, je reprenais du blanc et je remettais une petite couche à l'endroit pour corriger. Donc il ne faut pas imaginer qu'on obtient les effets du premier coup. Même après peut-être 20, 30 ou 40 ans d'expérience, on a toujours des corrections à faire. Donc voilà. Hein, par exemple, pour les yeux, ici, pour l'avoir bien rond, il faut s'y reprendre plusieurs fois. Même quand on a l'habitude de travailler. Il ne faut surtout pas baisser les bras et se décourager. Aucun souci avec l'aérographe. Quand on travaille très finement, on peut reprendre du blanc et on recommence. Voilà.